Bonjour mes amis, bonjour, c'est Papy. J'espère que vous allez bien. En ce mi-mai 2023, le soleil commence à revenir, la température remonte un peu et si c'était l'occasion d'aller découvrir ensemble Planet of Lana, un jeu qui a l'air d'être très joli, très belle bande son, très beau décor. Je ne sais pas du tout encore de quoi va parler l'histoire et si ça va être quel genre d'aventure ça va être, voilà, plutôt plateforme ou plutôt aventure. Je n'en sais pas plus, mais il avait l'air tellement joli que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais bien envie de le découvrir avec vous. C'est parti. C'est parti tout de suite pour un décor un peu sympathique. Alors voyons voir, droite, gauche, ok. On va commencer par un petit tutoriel, jusqu'où je peux aller comme ça. Ah bon. Ah bah! Je suis descendu, est-ce que je peux sauter? Ah oui, j'ai même pas essayé, on peut essayer les boutons. Pour l'instant, ah, ici, qu'est-ce que je peux faire? M'accroupir et sauter. Bon, l'idée c'est que j'aille rejoindre, j'imagine qu'il faut que j'aille rejoindre. Oui, j'arrive, mademoiselle. Ok. On va baisser un petit peu le son du jeu. Où est-ce que je suis? D'accord. Où est-ce qu'elle est partie? Vous l'avez vu? Ah voilà, je peux me baisser. D'accord. Bon, ça a l'air. Ah, sauter. Ah, il peut s'accrocher. D'accord. Les trucs jaunes, ça veut dire. On peut s'accrocher. Oui. Quoi? Ah bon? Nimahana, ça veut dire saute. Ok, j'ai sauté. Ah bah elle saute vachement bien elle. Hop hop hop! Bah oui! Tu vas me dire que je peux nager. D'accord. Est-ce que je peux plonger? Ah non, je peux juste nager. Bon, ça ressemble tout de suite à un petit jeu un peu de plateforme. D'accord. Ouais, les décors sont jolis, le style est marrant. La bande son est sympa. Alors, ça va être du droit de gauche. Enfin, ça va être du jeu. On va se déplacer. C'est ça? Doucement, d'accord. Ok. Alors. D'accord, c'est une petite introduction. Ça va être quoi le. Mais il arrête pas de tomber, hein, décidément. Chaque fois, il s'accroche à des planches qui cassent, c'est pas drôle. Ou pas, d'accord. Ah, la bande son est étonnante, hein, très symphonique. Alors, tout en longueur ce village. Ah.
que l'ambiance va se dégrader. Tac. Ouais, je vois l'idée. Est-ce que je peux pousser les trucs? Non. Faut que je l'attrape. Et là, je peux le déplacer. D'accord. On va se retrouver comme ça dans un jeu. Ok, on en a déjà vu quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui étaient pas mal. On va voir. Hop, 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 hop. Vite. Ce principe de passer de d'étape en étape. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'ambiance est un tout petit peu assombrie quand même. Et on voit. Ok. Non, vous trouvez pas que l'ambiance s'assombrit? D'accord. Eh ben, en effet, dans l'ambiance qui s'assombrit, ça s'est bien assombri. Qu'est-ce que c'est? Bah oui. Donc j'imagine que. Bah oui. Tu vas rechercher ta. Ta copine, mais. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Caché dans les herbes. Ça? Ah oui, c'est ce qui me fait voir. Caché dans les herbes. Je vois l'idée. Ok, donc c'est parti pour un jeu de d'évasion d'aventure. Enfin, puis dans le mode un peu tout de suite un peu. Ok. Ambiance un peu stressante. Espèce de gros robots qui ont débarqué d'un seul coup. Alors, ah bah oui, le village il a. Ok, c'est pratique. Mais alors, c'est pas gay du tout en fait, hein. Oui,
épouvantée. Admettons, mais est-ce que ça va justifier l'envie et le plaisir de jouer? Parce que... Ouais, voilà, ouais. Encore un jeu qui va faire peur. C'est pas que je veux pas faire des jeux qui font peur, mais... C'est carrément stressant, et c'est vrai que... Voilà un jeu quand... Alors c'est quoi? X... Pardon. X plus... Ah, c'est pour ouvrir les portes, ça? Ah, comme ça je peux me baisser, c'est ça? Ah, faut que je le fasse encore plus. Ah ouais, d'accord, j'ouvre le passage. Ouais, mais voilà, ça va être... Ça va être sombre et stressant. Donc... Ah ouais, ça va être carrément sombre et stressant. Pas trop les petits regards là. Pas monter. Ah, il faut que je saute là. D'accord, logique. J'imagine que je peux sauter sur la corde. Côté. Bon. Ouais, mais c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, je vous avoue. Moi qui ai envie de vous faire voir des jolis jeux. Ah, et là, d'un seul coup, on se retrouve dans la verdure. C'est quoi leur idée alors? Il commence à fatiguer un peu. C'est quoi l'idée alors? C'est d'alterner. La bande son est jolie, je suis d'accord, les paysages sont vraiment bien dessinés, mais l'ambiance est encore robot sombre. Ça me laisse encore dubitatif, hein, je suis désolé.
Bon, a priori, on va aller à droite. Découvrir un nouveau monde, mais... Ah. Et là? Ce serait quand même étonnant qu'elle soit, qu'elle se soit libérée toute seule, sa copine, mais... C'est pas elle. Bah oui, à force de crier. Ouais. Je peux me cacher? Encore? D'accord. D'accord, et s'il me voit, il va me courir après. Sauf si je me cache. Il m'a pas eu. Je sais pas s'il m'aurait vu de loin, mais... Ouais, donc ça va quand même... Après, la bande-son est super chouette, hein. Ils ont fait un... Il y a un vrai travail sonore. Alors, oup, hop, hop. D'accord, je glisse, à la fin, je saute. Ou pas, mais c'était l'idée. On est d'accord. Voilà. C'était l'idée. Donc, question que je me pose, c'est à quel genre de puzzle on va être confronté? Alors, ah oui, c'est ça, genre de puzzle, soit c'est quoi ça? Pourquoi ça a bougé? Ça a fait quelque chose, ça? On peut sauter? Non. Alors, je présume que ça, on va l'emmener pour pouvoir monter sur cette planche-là. Ici. Ici. Ah! Et donc? On le laisse là, ça. Pardon, pardon, je vais te passer. Mais là, je peux pas monter, là. Alors. Ça commence. Alors. Ok. Je vois l'idée. Mais c'est... Ah, mais il est pas... Il est pas descendu. Il est pas remonté, d'accord. Ah, ouais, donc, ça veut dire quoi? Faut que j'ai cherché une autre... Qu'est-ce? Là, je peux pas descendre. Je peux la mettre par là. Hop! Ok. Ah bah c'est bien. Je peux pousser les deux caisses. Est-ce que c'est quoi l'idée? Là, ici, si je monte. Hop, c'est bon là. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse d'autre? Ah, j'ai pas tout compris. Ça suffisait là pour que je passe. Ah oui, là. Ils sont encore là. Hein. Quelqu'un? Quoi?
Ah oui, j'ai entendu un petit ronc-ronc. D'accord. Non, je peux pas remonter. Alors, si je fais ça, du coup, hop, je me cache là. Ah non. Ah oui, bah, ah ouais. Bah oui, mais non. Coucou. Coucou. Grimpe. Vite. Voilà. Je me suis douté de l'idée. Hop ! Je me suis douté de l'idée. Ah, il est pas content. Ok. Ah, une espèce de plante. X. Ah ben il dort lui. Ah, il est assommé. Oh, je vais le donner. Oh. C'est un peu glauque. Je vais le donner à la plante, c'est ça? Ah ouais, si je fais ça, ça permet de maintenir le truc. Ah oui, c'était pas une plante, c'était un support pour monter. Ouais. Ouais. Je suis dubitatif. Bien l'admettre. Alors, oula. Donc c'est ça. Est-ce que ça va se complexifier de plus en plus? Oui. D'accord. Ah, t'es contente, tu t'es libérée. Donc. Coucou. Bah viens m'aider. Je t'ai libéré. J'aurais pas dû la libérer. Ah oui, d'accord. Et là je peux déplacer le truc pour monter. Pour monter. J'ai compris, ça va me servir de support pour grimper sur l'autre estrade. Voilà, d'accord. Je me dis qu'au bout d'un moment, je vais être copain avec les petites bestioles. Je sais pas pourquoi, je commence à les libérer. Ça devrait leur faire plaisir au bout d'un moment. D'accord, alors... Il y a quelques idées intéressantes. Ah. Coucou. Je savais que j'allais être copain avec les petites bestioles à un moment. Mais... Ouf. Ça, les paysages sont chouettes, hein. La musique, on croirait... comment ça s'appelle? Ce film de Disney avec toutes les... Oups! Non, j'ai pas le choix, faut que je...
Bah, comment je peux monter? En baissant, hein? Ah, bah, je vois pas ce que je peux faire. Ah, faut que je saute dessus pour le casser. Oula. Et on repart dans une ambiance un peu sombre. Hein. Quoi, faut que je me baisse? Ah, j'ai un peu. D'accord, il y a. Donne-moi la corde. Merci. Je savais que tu allais me donner la corde. Je n'arrive pas à me rendre compte comment ça va évoluer. Est-ce que ça va être... très sombre, en plus que ça. Ok. Impressionnant, j'ai un point de vue là. C'est original. On avance encore un petit peu, j'aime bien faire des petites découvertes d'une demi-heure. Mais j'ai pas mal de choses qui ont évolué. Ah. Alors l'idée c'est quand même que j'aille monter en haut pour libérer. Allez, grimpe vite. Non non, je suis pas là, je suis pas là. Non non, ah si, je suis là. J'aime pas ça. L'idée, je pense. Ma collègue, vite, viens avec moi, vite. On voit la corde, et voilà, d'accord. Un peu stressant, mais ok. Est-ce qu'on va s'en faire plusieurs, copains? Ah. Est-ce que ça laisse présager qu'on va changer d'environnement? Lana! Ilo? Oh, je suis en train de faire un rêve, moi. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve ou est-ce que je fais un rêve? Sans le rêve.
celui-là? Attends-moi. Attends-moi. Ouais. Ça sentait bien le rêve. D'accord. Bah écoutez, à vous de me dire si vous voulez en voir davantage ou pas. Ça donne une idée. Hein. Il y a encore un petit côté aventure horizontale. Hein. Un peu sombre. Alors, LT plus X. Bah, LT, c'est ça? Plus X. Voilà, pour caresser. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, comme je vous disais, voilà, une petite demi-heure de découverte. Bon, on connaît ce genre de jeu où on se déplace comme ça dans un seul sens, avec des énigmes à résoudre pour passer d'étape en étape. Généralement, c'est souvent des jeux assez sombres. Donc celui-là, il y a un mix sombre, joli, quoi. Bah vous de voir, vous me direz si vous avez envie d'en voir plus. Moi, je me réserve le bénéfice du doute, voir si j'y vais aller plus loin ou pas, mais ça dépendra de vous aussi. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, cette petite découverte du jour, c'était la planète of Lana. À bientôt, prenez soin de vous.